Gars, sa gasoline, là, j'ai la mèche, frère. Plus de cheveux, frère. Plus d'argent. Rien. Aidez-moi, les gars. Non, sérieux. Et oui, nouvelle vidéo, les amis. Et oui, on persiste et signe. Voilà. Donc, apparemment, Nuno Tavares devrait débarquer à l'Olympique de Marseille. Hein, apparemment, selon Fabrizio Romano. Et oui, le très célèbre journaliste italien qui ne dit pas de bêtises. Voilà. Donc, Nuno Tavares, malheureusement, il devrait venir, mais sans option d'achat, avec un prêt payant, sans option d'achat. Voilà. Parce qu'en fait, Luan Pérez, il devrait partir. Et voilà quoi, Nuno Tavares devrait débarquer dans la cité phocéenne, oui, en provenance le portugais, oui, Nuno Tavares, l'ancien benfiquiste, qui devrait débarquer dans la cité phocéenne d'ici peu, normalement, et oui, en contrat avec Arsenal, Arsenal qui vient de recruter, ce qui est très bien pour eux, mais qui est bizarre, que Manchester ait laissé Manchester City, c'est ça, Oleksandr Zinchenko, l'Ukrainien, et il est bon, hein, je ne sais pas pourquoi l'on laissait partir Manchester City. Bon, enfin, c'est bizarre tout ça. Donc voilà, eh ben, normalement, Nuno Tavares, le latéral, et oui, le piston dont on a besoin, et ça s'est vu hier dans le match. Voilà, dans le match contre le Betis Séville. Et oui, donc Nuno Tavares devrait débarquer avec un prêt sans option d'achat, ce que je déteste ces prêts-là. Parce que c'est encore pire que Saliba. C'est-à-dire, si le mec il explose, eh ben, en fait, on va relancer un joueur. Et surtout Arsenal, ça fait deux fois. Franchement, je suis pas pour. La vérité, non, faudrait même pas le prendre. Sincèrement, c'est du temps perdu. J'ai vu ça avec Morata il y a quelques années à la Juventus de Turin. Il valait pas un clapi. Il valait pas un clap, une clopinette. Et après, bon, et tu vois, le mec qui fait finale de Ligue des Champions. Et après, le Real Madrid, ils en demandent 70 millions. Et les pigeons de Chelsea sont partis mettre 70 millions sur Morata. Et Morata, il a fait nib. Il a fait fifre à Chelsea. Ensuite, je sais pas où il est parti, ils l'ont revendu à l'Atlético, je crois. Après, voilà, enfin, laisse tomber, ces prêts sans option d'achat obligatoire, c'est pas bon, ça fait que l'affaire du club prêteur. Et en plus, toi, tu te tapes les charges et tout, tu te payes le mec. Enfin, c'est pas intéressant, les gars, on devrait mieux recruter un latéral. Message à Longoria, je sais qu'il va pas m'écouter, mais il vaudrait mieux récupérer un autre latéral, rien à voir avec lui, là. Ouais, c'est bon, c'est pas la peine, sans option d'achat. Enfin, apparemment, il devrait débarquer, mais bon, je suis pas très, très, comment dire, motivé sur ça, puisqu'on va perdre au change à la sortie. Il suffit que le mec, il doit être bon, plus et il va commencer à bien jouer, et on va l'avoir dans le baba. Voilà, ben merci les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, frère, il y a peu d'abonnés, 570 abonnés. Ah, je suis déçu, franchement. Et ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, c'est Mektoub. C'est comme ça, frère, les gens, ils s'abonnent pas, personne s'abonne. Il n'y a que la famille, oui, la Famax, la famille qui sont bousins, les gars. Merci, le pur sang. Et oui, le pur sang arabe, le sang. Et oui, le sang, le sang, oh, le sang. Oh, frère, oh, le sang. Oh, cousin, le sang, oh, le sang. Merci, les amis. Et ouais, on vous embrasse. Allez, ciao, les amis, ciao.